coup, allez, on est parti cette fois-ci sur la présentation Oracle Magie de la Nuit. Carte intuitive pour trouver la lumière dans l'obscurité. Je crois qu'on cherche tous hein, cette lumière. Donc, du coup, il y a plein, plein, plein d'oracles qui travaillent là-dessus. Après, c'est fonction, parce que c'est vrai, quand on voit tous ces oracles, on peut se dire, mais oh, comment je choisis? Donc là, c'est vraiment en fonction de vos ressentis, les images que vous aimez, les couleurs. Voilà. Donc là, on est vraiment sur 50 cartes, des cartes oracles en noir, en or et en blanc. Donc comme je vous disais, il y a des gens qui aiment les cartes très 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 colorées, très très punchy, et puis il y en a qui aiment un design un peu plus épuré. Enfin, c'est vraiment propre à chacun. Et vous avez un livret d'accompagnement de 120 pages. Donc il est au tarif de 24,95 €. Voilà, de Christina Dujardin, Abigail Morin. Donc c'est une boîte hein, classique, assez grande, hein, qui s'ouvre bien. Enivrez-vous de magie. Il y a un petit message là. Et vous avez donc le livret. Donc le petit livret de 120 pages. Donc on va regarder un petit peu comment il est. On a l'image de la carte. Hein. À chaque fois, vous allez voir, elles sont magnifiques. Donc, on a une introduction, en fait, et on a toutes les cartes. Donc, l'introduction. Comment utiliser votre oracle? Quand utiliser votre oracle? Et là, voilà, on a les cartes. Donc, on a l'image de la carte. Et puis, on a la description, en fait, de la carte. Est-ce que ça veut dire, donc si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, que vous soyez amoureux ou le cœur libre, donc il y a les messages, il y a les significations. Voilà. Donc là, le si vous êtes en couple, c'était vraiment parce que c'était la carte des amants. Donc ça nous dit hein, ce qu'on a besoin et. Donc ça, c'est toutes les cartes et je veux juste regarder à la fin. Carte du rêve, le sapin, le silence. Et après, non, ouais, ça se finit par la carte. Voilà, avec les. Ok. Ok, donc voilà, c'est juste vraiment comment utiliser. Donc il n'y a pas de véritable méthode de tirage en fait, hein. Donc là, on vous dit vraiment de faire en fonction de vos ressentis, de disposer les cartes devant vous, de vraiment voilà, de prendre les cartes qui vous inspirent et de faire en fonction de vos ressentis. Voilà, c'est vraiment ce côté un peu où on se dit il n'y a pas de règles. Hop, alors vous voyez, je le défais avec vous. Hop. Donc on y va, je vous montre les cartes. On a voilà, c'est un côté, une tranche dorée. Très jolie. Le dos, il est comme ça, avec une jolie chouette, un loup, les montagnes. Très, très joli. Et on y va. Donc les amants, Artémis, Astéria. La belle de nuit, Cassiopée, le cerf. Alors moi j'aime beaucoup ce côté où on rajoute toujours un peu de doré. On voit qu'il y a des étoiles sur toutes les cartes. Donc le chat, la chauve-souris, les mettre comme ça, la chouette, le crépuscule, le dernier croissant de lune, le dernier quartier de lune, l'éclipse lunaire. L'éclipse solaire, l'effervescence, l'étoile filante, le feu, la fleur de lune, le froid, la grande ours, le guépard, et quatre, le hérisson, mi magnifique, le hibou. Regardez-moi cette puissance dans ces cartes. Je trouve qu'il y a une puissance énorme dans ces cartes. Le lapin de Garenne,
Le léopard de l'amour. Le loup. La luciole. La lune gibbeuse croissante, la décroissante, Morphée, le noir. La nouvelle lune, donc on a vraiment toutes les phases de la lune. Nyx, la panthère nébuleuse, le papillon de nuit, Pégase, la petite ours, la pleine lune, le premier croissant de lune, le premier quartier de lune, la rainette, la reine de la nuit, le renard, le renne, le rêve, le sapin, Séléné, le silence. Et Sirius. Et voilà, donc on est vraiment sur un joli oracle, et je vais vous tirer une petite carte pour vous délivrer ce message, et comme ça ben, on vérifie, je vérifie toujours, il se mélange du coup très bien, la qualité des cartes. Voilà, on est, je pense, sur une belle épaisseur, une bonne, enfin en tous les cas, qui me convient à moi. Je purifierai tout mes, enfin, toutes mes cartes plus tard. Allez, on va demander un petit message. Le petit message du moment. Alors, est-ce qu'une carte voudrait venir? Eh ben voilà, merci. Et nous avons la carte de la Luciole. Et je vais vous lire le petit livret, ce qu'il dit. Au moins, ça vous donnera une idée des messages. Donc, la Luciole. La carte de la Luciole symbolise la lumière dans l'obscurité, ainsi que le mystère et la magie de la vie. En tirant cette carte, le message qui vous est destiné est de garder espoir, même lorsque tout semble sombre. La luciole éclaire votre chemin dans le voyage qu'est votre vie. Même si vous avez l'impression d'être éteint durant votre journée, lorsque vous brillez, vous rayonnez de votre lumière intérieure. Laissez-la jaillir pleinement. La lumière de la luciole ne comporte pas de chaleur. C'est un signe qui vous indique de calmer le pas, au lieu de vous précipiter et de vous épuiser. La luciole vous encourage à mener une vie simple et à laisser la magie opérer. Votre beauté intérieure est merveilleuse à voir. Votre nature douce et attentionnée peut éclairer la voie de quiconque est perdu ou a besoin d'être guidé. Vous avez la capacité de voir ce que les autres ressentent profondément. Pour cette raison, vous êtes souvent l'épaule sur laquelle votre entourage peut se reposer. Conservez précieusement vos qualités, car vous êtes une bénédiction pour le monde. C'est une très très jolie carte qui vous dit bah, « Je crois vraiment, croyez en vous et voilà de... » Presque, j'aurais envie de vous dire, ne vous laissez pas emporter par les aléas de la vie et tout ça. Ne vous laissez pas assombrir par tout ça, parce que vous êtes lumière. Voilà pour ce joli message pour vous. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.